Je vous propose de faire de la musculation en instabilité sur un ballon. Bienvenue dans votre fitness studio. Ok, donc on va démarrer juste pour s'échauffer le dos. Donc vous allez vous placer sur les genoux avec les mains sur le ballon. On va avancer le ballon légèrement, voilà. Tirez le dos, inspirez. Et poussez sur les bras, enroulez votre dos le plus rond possible, voilà. Soufflez bien. Et j'inspire. J'allonge le dos, tirez les bras, voilà, les regardez vers le haut aussi pour étirer au maximum les vertèbres. Et soufflez, j'arrondis. Voilà, restez là, ici arrondi, et puis allez chercher sur le côté et allongez le dos. Voilà, ça tire là, sur les côtés, ça fait du bien. Si vous aimez cet exercice, vous pouvez le réutiliser un peu plus tard pour vous étirer. Et souffle. Bien déroulé. On va démarrer en position assise sur le ballon. Et vous vous munissez d'haltères. Hop. Alors, moi j'ai 2 x 5 kg. C'est pas mal pour travailler les pecs et le dos. Voilà, chez vous aussi, vous devez avoir des haltères plus ou moins lourds. Donc c'est très intéressant en fait de travailler la musculation en instabilité parce que bien sûr vous allez travailler les muscles superficiels pendant les mouvements mais aussi les muscles profonds, régulateurs de stabilité, notamment les abdominaux, tous les érecteurs du rachis. Donc du coup vous avez un double effet pendant votre muscu. Ok, ici vous allez placer vos épaules sur le ballon et vous n'hésitez pas à avancer un peu les pieds. Voilà, vous êtes un petit peu instable mais pas trop. Là, vous devez regarder le dos des mains. Vous pouvez poser la tête tranquillement voilà, sur le ballon. Levez bien ici les hanches pour faire une vraie table. Et ici, je descends, j'inspire et je souffle. Voilà, du développé couché en instabilité. Hyper intéressant pour développer davantage les abdominaux et la coordination aussi. Abdo-pec, j'inspire et je souffle. Courage. J'inspire et je souffle. Je ne sais pas combien de poids vous avez pris. Racontez-moi en commentaire combien de poids vous mettez. Et soufflez. Voilà, j'inspire et je souffle. Encore 3 fois. Et souffle. 2. Bien, gardez les hanches bien levées. Voilà. Impeccable. Ici, les mains qui se regardent. Et là, je descends. Et je souffle. Voilà. Et je souffle, développé serré. Voilà, d'un seul coup, là, vous commencez à sentir les fessiers et l'arrière des cuisses qui travaillent forcément puisque vous levez les hanches. Voilà, donc c'est hyper intéressant. Et vous avez toujours aussi les abdos super engagés pendant ce mouvement. Encore 8. Et 7, courage. Voilà, plaquez bien les épaules dans le ballon. Les 4 derniers, et 4, souffle en montant, inspire en descendant, les 2 derniers, encore 1, gardez les hanches bien levées, ok, pause, voilà, on termine le 7 pour les bras, ici, toujours les hanches bien levées, le pullover, voilà, sur le ballon, et j'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Si vous avez l'habitude de faire un peu de renforcement musculaire, vous allez découvrir des nouvelles sensations ici, hein, sur un ballon comme ça. Et c'est vraiment intéressant, je vous invite à le faire régulièrement, à changer votre entraînement, à changer vos positions. J'inspire et je souffle. Encore 4 fois, courage. Inspire et souffle. Voilà, étirez bien, voilà, sans trop ouvrir, hein, sans cambrer le dos, gardez les hanches bien vers le plafond, l'os du pubis remonté, bien, pause, génial. Voilà, ça c'était notre bon set du haut du corps, redressez-vous, voilà, on repasse en position assise, ici sur le ballon, relâchez vos épaules, relâchez la nuque. Impeccable. On continue. Voilà, vous allez placer vos talons sur le ballon, vraiment tout en haut.
Alors moi, j'aime bien là, ce ballon de Kettler parce qu'il y a des, petits, des petites aspérités en fait, d'un côté. Et ça permet qu'il glisse un petit peu moins sur le sol. Donc, c'est quand même pas mal. Si vous avez du carrelage ou du parquet. Donc ici, vous plantez à fond les talons dans le ballon. Voilà, les mains en direction du plafond. Inspire. Périnée engagée. Et expire. Décolle le bassin. Voilà, pas trop trop haut, histoire de ne pas pincer les disques des vertèbres. Ça va, vous sentez l'arrière des cuisses et les fessiers? Nickel, reposez vertèbre après vertèbre. Voilà, n'hésitez pas à replacer si vous avez besoin, si vous sentiez que vous étiez un petit peu trop fléchi, un petit peu trop tendu. Inspire. Et périnée engagée d'abord, puis expire, vertèbre après vertèbre, décolle. Voilà, nickel. Et ensuite, voilà, si vous pouvez. Le secret de cet exercice, c'est vraiment de planter à fond les talons dans le ballon. Et redresse. On le refait comme ça encore une fois à vide. Et ensuite, si vous êtes à l'aise, on va rajouter un petit peu plus d'intensité. J'inspire. Périnée engagée d'abord. Et puis expire. Voilà. Nickel. Restez là, si vous pouvez, sans les mains, sans les bras. Hop. Et redécolle. Bien. Si vous êtes à l'aise dans cet exercice, on va rajouter des poids. N'ayez pas peur, ça se passe très très bien et c'est hyper intéressant pour muscler les fessiers et l'arrière des cuisses. Voilà, pour travailler en fait la chaîne postérieure. Donc les poids, vous les placez sur les hanches. Voilà, et les mains ici soutiennent. Ne vous inquiétez pas, ça passe nickel. Voilà, les mains juste soutiennent. 3, 2, 1 et reposez. Parfait, on le refait 4 fois. Inspire. Et périnée, expire. Voilà, je ne sais pas combien vous avez rajouté chez vous. Moi, du coup, j'ai 10 kilos. Si vous avez un pack d'eau chez vous, vous pouvez sans problème le poser sur vos hanches et travailler cet exercice. Voilà, n'hésitez pas à replacer vos pieds hein, si vous sentez que ce n'est pas bon. Inspire. Et périnée, expire. Ouf. Ok, 3, 2, 1 et repose. C'est super intense. Hein. En même temps, c'est normal. Voilà, vous avez et de l'instabilité et du poids sur le bassin. 3, 2, 1. La musculation, c'est vraiment ça qui va vraiment vous travailler une silhouette bien ferme, bien tonique. Vous aurez beau faire tout le cardio que vous voulez, si vous ne faites pas de musculation, vous n'aurez pas les mêmes résultats. La musculation, c'est ce qui vous remplit. C'est votre anti-ride du corps. 3, 2, 1 et repose. Bien, nickel. Reposez les poids. Hop. Et on refait la même série, juste 5. Et vous allez voir à quel point c'est beaucoup plus facile. Voilà, donc du coup, gainez bien la sangle abdominale et on repart. Voilà, ça monte tout seul. Parfait, un peu de post-fatigue. Inspire et périnée, expire. Sans les mains, vous pouvez le faire. Repose. Les trois derniers, courage. Et souffle. Plante bien les talons, puis décolle. On repart. Inspire. Périnée, expire. Pas trop haut. La dernière, inspire. Et périnée, expire. 3, 2, 1. Et relâche, parfait. Prenez le ballon, hop, que vous allez saisir ici entre vos deux genoux. Nickel, tendez les jambes. Voilà, et là tout simplement, quelques exercices d'abdos, tout simple. L'idée c'est d'avoir le dos plaqué au sol pendant toute la durée de l'exercice. Donc pas de cambrure qui vient se dessiner. Si vous sentez que votre bas du dos se décolle, eh bien, c'est que vous allez un peu trop loin avec les jambes. Donc descendez les jambes un petit peu moins loin. C'est vous qui voyez, c'est vous qui ressentez. Ouf. Super exercice ventre plat. Et l'idée en fait, hein, c'est vraiment de serrer à fond le ballon entre les deux jambes pour remonter. Vous allez voir que d'un seul coup, c'est beaucoup plus facile. Pourquoi ? Parce que vous engagez les adducteurs intérieurs de cuisse.
qui communiquent avec les abdos et qui rendent la tâche beaucoup plus facile. Inspire et souffle. Serrez le ballon à fond entre les deux jambes quand vous remontez les jambes. Encore deux. Oups. Inspire. Un dernier. Inspire et souffle, redresse. Nickel. Relâchez. Bien. On se redresse. On va terminer avec un peu de planche en instabilité. Donc, pour vous redresser, l'idéal, c'est de placer les deux épaules et les deux genoux sur le côté. Voilà, donc moi, avec mon ballon, j'ai de la chance. Je passe le côté granuleux sur le sol, comme ça, ça glisse moins. Donc, on va placer les avant-bras sur le ballon. Ensuite, on va aligner genou, bassin, épaule et se placer en position de planche, comme ça. Ça va, ça? Donc, si vous êtes à l'aise dans ces deux mouvements, vous crochetez le sol avec les pieds et vous vous placez en position de planche. Nickel. Voilà. Ensuite, vous descendez les fessiers et vous rentrez l'os du pubis vers les côtes. Génial. Voilà, si vous avez l'habitude de faire la planche sur un ballon, c'est beaucoup plus sympa, n'est-ce pas? Voilà, restez là, tranquille. Encore 8, 7, 6, voilà, parfait. Poussez bien les talons loin vers l'arrière. 3, 2, 1, et pause. Relâche, nickel. On replace ici le ballon sous le ventre. Oui, je sais, vous avez l'impression que c'est intense, mais en même temps, ça fait du bien. Ici, travail de la chaîne postérieure, j'inspire. Et je souffle, je pousse l'os du pubis dans le ballon et je monte les fessiers. Os du pubis dans le ballon, fessier haut. Os du pubis dans le ballon, fessier haut. Encore 8, 7, 6, 5. Poussez bien à fond les hanches dans le ballon, ultra connecté. Encore 3, 2, c'est bien. Nickel. Vous sentez les fessiers là? Normalement, ça devrait bien être ressenti. Les des tout petits. 8, 7, 6, courage. 4, 3, 2, 1, bien. Redressez. Ça va? J'en ai un dernier pour vous, après je vous laisse tranquille. Ici, on passe sur les pieds. Hop, le ballon. Au niveau des tibias, on se place en position large. Voilà. Et on a une séance sur ballon sans pompe, c'est pas drôle. Inspire et souffle. Inspire. Et souffle, voilà, descendez poitrine en direction du sol. Inspire, et souffle. Plantez bien les tibias dans le ballon pour éviter les mouvements de côté. Serrez la sangle abdominale. Les deux derniers, courage. Un. Encore une fois. Ok. Allez, juste pour le fun ici. Ça passe tout seul. Hop. La planche. Serrez les fessiers. Grandissez-vous. Si vous voulez, pike, hop, les épaules au-dessus des poignets. 3, 2, 1, et redresse. Un dernier, inspire, et périnée, expire. Placez poids du corps dans les doigts. 3, 2, 1, et redressez. C'est bon pour aujourd'hui. Voilà, donc c'est le genre d'accessoire qui ne paye pas de mine, très mignon à regarder, mais qui vous fait bosser avec beaucoup d'intensité. J'espère que vous avez apprécié ce travail de renforcement musculaire en instabilité. C'est vraiment très intéressant de le pratiquer une ou deux fois par mois minimum. Encore merci à Kettler pour le prêt de ces ballons, qui sont vraiment hyper pratiques pour le coup, parce que quand même, avec les grippes là, ça glisse moins. Voilà, j'espère que vous avez apprécié, et à très bientôt dans un autre fitness studio. Salut !